dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. En fait, la Belgique a toujours 6 gouvernements. Il y a les 5 gouvernements des régions et des communautés, vu que la Belgique est un État fédéral. Et il y a toujours un gouvernement fédéral en affaires courantes. Maintenant, ce gouvernement, bien sûr, depuis un an, il peut seulement gérer les affaires quotidiennes, exécuter ce qui a déjà été décidé et éventuellement gérer des questions très urgentes. Par exemple, voilà, s'il y a un no deal Brexit, il faudra bien y répondre comme gouvernement belge. Ou aujourd'hui, un autre exemple, c'est qu'on a quand même trouvé un accord entre les différents gouvernements en Belgique sur un accord sur un plan climat. Alors, dans le quotidien des Belges, ne pas avoir de gouvernement de plein pouvoir ne change pas nécessairement beaucoup, hein, parce que les pensions sont toujours payées, les salaires des fonctionnaires sont toujours payés, les trains roulent toujours. Les gens peuvent avoir l'impression que finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur eux. Ce qui est vrai sur le court terme, mais pas sur le long terme. Si on n'a pas de gouvernement de plein pouvoir, on peut par exemple pas gérer le budget. Donc la Belgique a déjà un déficit budgétaire très important pour l'instant. Et s'il n'y a pas de gouvernement de plein pouvoir pour mener une politique budgétaire, la situation va encore s'empirer. La Belgique sera probablement un des plus mauvais élèves de toute l'Union européenne sur ce plan-là. Il faut savoir qu'on a eu les élections donc, en Belgique le 26 mai, donc ça fait presque 7 mois. Et depuis, on n'est toujours pas vraiment entré dans une phase de vraie formation d'un gouvernement. Une partie de la raison, c'est simplement que la situation est assez comparable à celle dans beaucoup d'autres pays européens. Ce qu'on a vu le 26 mai en Belgique, c'est que les partis radicaux anti-establishment, tant de gauche que de droite, ont fortement progressé. Tous les partis traditionnels sont à un niveau historiquement bas. Tous les partis qui ont gouverné ont perdu. Il y a une grande fragmentation des partis, ce qui fait que, comme dans beaucoup d'autres pays européens aussi, il est très difficile de former un nouveau gouvernement.